Daoudson, les stars de la série culte ont-elles changé, ou pas? À l'occasion des 20 ans du lancement américain de Daoudson, retour sur l'évolution du look des stars de la série culte. Ont-ils bien vieilli ou non? Le 20 janvier 2018, la série Daoudson a fêté les 20 ans de sa première diffusion aux États-Unis. Les stars de la série culte se sont bien volontiers prêtées au jeu des photos de réunion. En deux décennies, tous ont expérimenté des fortunes diverses, des mariages, des divorces, parfois des drames extrêmement cruels comme pour Michelle Williams, le décès des athlètes et le père de sa fille. Mais ont-ils tant changé que ça côté look? Eh bien pas tant que ça et pourtant tous les comédiens avaient démarré la série alors qu'ils étaient très jeunes. Les traits coupins ont fait place à plus de maturité pour quasiment tous mis à part, les bonnes joues toujours bien présentes de Joshua Jackson, 39 ans. Toutes les filles, de Cathy Holm, 39 ans, en passant par Michelle Williams, 37 ans, ont gardé une ligne d'enfer, les pommettes sont beaucoup plus saillantes que jadis, mais sans témoigner d'une quelconque frénésie d'amincissement. Cathy Holm, bras nus, témoigne d'une forme athlétique, qu'elle doit sans doute à sa pratique sportive assidue. Michelle Williams a de son côté tombé les cheveux mi-longs de ses débuts pour adopter une coupe ultra courte, rossée par une étrange teinture blanche qui, loin de la vieillir, lui donne au contraire une allure d'elfe. Côté capillaire, pas trop de dégâts cheveux blancs à déplorer à l'exception peut-être d'une maturité très affirmée pour James Van Der Bee, pourtant seulement âgé de 41 ans. Franchement en forme, on peut dire que les rotations de calendrier ont été très clémentes pour tous les membres du casting, qu'ils aient réussi ou non à capitaliser sur la popularité de Daoudson pour la suite de leur carrière. Avoir par ailleurs la prise de position du casting et du créateur de Daoudson sur l'opportunité d'une suite ou d'un reboot de la série.